À la fin du mois, promis, on vous amène le reste de l'argent. Il n'y a plus qu'à trouver 4700 euros avant la fin du mois. Et alors? Viré du chômage, j'ai pas de job. Hey, tu pars pas comme ça! J'en veux pas de votre taf de merde, là! Tu n'as pas de papier! Et tu vas faire comment maintenant pour payer le local à la fin du mois? Ça, tu comprends? Merde! Merde! Si vous pouviez nous donner un petit coup de pouce, ça serait pas de refus. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait me raccompagner chez moi? Parce que. Combien tu coûtes? Disons que j'ai envie de m'offrir un petit câlin et que je veux savoir combien je dois payer pour me l'offrir. T'as payé 200 euros? Si t'as 3 femmes par jour, 5 fois par semaine, tu sais combien ça fait? Je suis pas une pute, les gars! Au point où j'en suis, moi aussi, je suis prêt à me taper une vieille pour 200 euros. Et moi, je suis partant. Ouais, reste à les trouver, les clientes. C'est quoi? On va pas niquer une meuf à trois, les gars. Mais non, idiot, chacun sa meuf, mais on met l'argent dans un pot commun. Et je tombe ramasser l'argent pour le snack, c'est tout. Ah bah c'est du Viagra. Chut. Oh bah pardon. Bon, filez-moi ça. Ouais, c'est qu'en fait, on fait pas vraiment dans... Je suis très curieuse de savoir comment vous avez fait pour trouver l'argent pour le local et les travaux si vite. On a fait des heures sup. Beaucoup d'heures sup. J'ai essayé l'Africain. Il est génial. Toi, je t'ai pris le Marocain. Le quoi? Oh, c'est quoi cette enrouille? Elle est morte! Putain, elle est...